de Pingeon, qui est à 1 minute 10 de lui, et Pingeon, qui, il ne l'a pas caché, vise une place dans les 10 premiers. Ici, l'arrivée de Manzanek. Manzanek qui, cette année, n'aura pas réussi ce qu'il réussissait chaque année dans le Tour de France, gagner une étape après une longue, longue chevauchée de 200 ou 300 km dans la montagne. Ça ne lui fait pas peur. Mais cette fois, Manzanek ne nous a pas paru au mieux de sa condition physique. Il y en a d'autres, nous direz-vous. Mais... Et Manzanek terminera ce tour seulement en 25e place à 36 minutes 34 pour l'instant de Gimondi. Manzanek qui ne cherche pas d'ailleurs à s'octroyer quelques secondes supplémentaires par un tour plus rapide ici au Parc des Princes. Bouquet qui l'a rejoint et qui partait 3 minutes derrière lui ne lui a laissé aucune chance et semble-t-il l'a particulièrement découragé. Bouquet, il faut le dire, avait terminé l'année dernière 3e du Grand Prix des Nations. C'est probable donc que nous aurons à son propos une bonne nouvelle enregistrée au classement. À la première place de ce classement, toujours Diego Ronchini devant Otagno maintenant qui est deuxième à 5 secondes de Diego Ronchini. Troisième Echeverria, quatrième Nidam, cinquième Lefebvre. Et ici derrière.